Eh bien salut tout le monde, c'est Sapé, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va jouer Héliotrope en coiffe Ganymède en mode Dopu. Donc même si la coiffe donne pas de Dopu, les PA qu'elle va nous donner vont être utiles pour faire un gros tour 2, ça va être l'objectif. J'ai mis toutes les variantes de dégâts. Et on est parti contre un NECA. Je regarde un petit peu s'il a des trucs. On va charger un petit peu nos PA PM hein, avec Cabal, avec Coalition. Hop, Coalition, Focus, Cabal. Et on va essayer de rusher. Bon, le problème, c'est qu'Ekafib risque de nous trouver. Hein. Avec Perception, notamment. Est-ce que j'essaye de vraiment faire un rush no brain ou est-ce que j'essaye d'aller un peu sur le côté, peut-être? On va essayer de brain un minimum, même si je pense qu'il va nous trouver assez facilement. On va aller genre là. Parce que là, je suis en prisme rue, je sais plus si je l'ai dit. Mais même s'il nous trouve, c'est pas très grave. On perd juste l'ocre. Hein. On peut lui faire mal, hein. Il est pas très tanky, je trouve. Je pense pas qu'on puisse one turn pour autant, mais... Là il s'avance, il va tenter la percep. Bon, j'aurais dû rush encore plus. Après là on peut le taper, tout va bien. Ah, il va même pas faire une percep. Après il a soit prédation, soit percep. Pour l'instant il le fait pas. Il charge ses sorts dans le vide, mais il nous a pas trouvé. Ok, bon bah là on est trop bien, on va pouvoir l'arracher tranquillement là. Là c'est la belle vie, hein. On va pouvoir mettre un petit portail là. On va mettre le portail là, en vrai c'est très bien. Hop, la redirection est directement bonne. On a tellement de PA en vrai, je sais même pas si j'ai le temps de compter tous mes PA. Je crois qu'on va faire double sneaker. Ok. Ça c'est bien, on va faire conjuration, sermon, sermon, puis foin fulgu. Et on ferme pas, on s'en fout. Voilà, le sermon à 1400 et quelques. On en remet un autre, on fait ça, et on va vers lui, comme s'il ne peut pas taper dans le portail. On lui a mis cher quand même, en plus ça fait beaucoup de crits, ce qui fait qu'on a... combien de 50 dopu de passif avec la plume Burado. On était en 17 PA, on l'a bien arraché. Il va taper dans le portail à son tour. Oh, le récop à 2200 à son tour, pas mal. J'avoue que j'aurais peut-être dû garder un PA pour neutral. Ou j'aurais dû me placer ailleurs. Tu sais, j'aurais dû me placer à un endroit où il pouvait pas profiter du portail. Mais bon, c'est pas grave parce que certes, il nous fait mal, mais lui, il est quasiment mort. Là, c'est soit il nous tue, soit il a perdu, ou alors fallait qu'il se soigne à fond. Il pouvait pas tout faire. En tout cas, il nous a proposé un beau récop aussi. Après, en vrai, même si son récop, il le mettait pas dans le portail, il m'aurait arraché quand même. J'ai pas beaucoup de rester. Bon, il aurait tapé un peu moins que 2200, il aurait été tapé du 1800, tu vois. Bon, faudrait qu'on arrive à le tuer maintenant, hein. Mine de rien, ça va pas être si facile que ça. Parce qu'on a que 10 PA. Je sais même pas si on peut le tuer maintenant, en vrai. Je peux mettre un portail là. Et aller taper là-bas. Le problème, c'est que je sais pas si ça tue avec seulement ce nombre de PA là. Je dirais que serment plus double point fulgus, ça devrait passer quand même. On va regarder les prévisions un petit peu. Là, ça passe pas pour l'instant, mais double point fulgus, ça doit passer si je fais un peu de crit. Ah ouais, ça passe, bien joué à lui. Combat très bourrin, mais c'est exactement ce qu'on veut dans cette vidéo. Après, vous pouvez jouer de cette façon-là, avec un mode plus viable, mais si vous voulez jouer plus sérieux, mettez pas de Prismaru, ça sert à rien en vrai, Prismaru c'est pour faire le kikou. Mettez pas trop de Cabal, tout ça, mettez les sorts de soins. Parce que là, en gros, j'ai Cabal, mais la variante c'est un sort de soins. Conjuration, la variante c'est un sort de soins, etc. Même l'entraide, là, à la place de coalition, là j'ai mis vraiment les sorts pour faire le kéké dégâts, le nio tapé, quoi. Mais si vous voulez jouer ça, c'est très fort, hein, de manière sérieuse. Mais il faut changer quelques variantes. Pour ce qui est du stuff, on est avec la panoplie cœur vaillant. Bon, le mode qu'on joue toujours en dopu en ce moment, c'est vraiment une très bonne panoplie. La panoplie cœur vaillant. L'audace de dodge avec la coiffe Ganymède et l'arc Burado. J'avoue que ça fait beaucoup d'items légendaires encore. Hein. Le Prismaru qui est pas du tout obligatoire, comme je vous disais. Mettez un Forge Lave, mettez un Pritech. On s'en fout du Prismaru. C'est en plus, mais c'est vraiment pas obligatoire du tout. Le Taufoudre, le Taverne. J'aime pas trop le Taverne, mais là, pour faire le maximum de dégâts, je pense que c'est très bien. On est en trophée dopu classique. En vrai, je me dis que j'aurais même pu enlever l'ivoire qui t'a tapé fort, tu vois, histoire de gagner encore quelques dommages de poussée. Les deux anomenclatures, le stuff est assez énervé. Hein. On a des restes corrects, c'est juste la voie terre, on a un petit peu moins. On a 1100 de stats, enfin, on a 1020 d'agi avec 140 de puissance. On a 50 dommages R, ça c'est pas beaucoup, mais 420 dopu. Et les dopu, on va aussi se booster avec l'arc Burado. Pour ce qui est du combo, c'est pas compliqué, comme on l'a fait durant la game. Tour 1, on arrive, on se booste. Le plus important, c'est de mettre coalition, focus, cabal à travers un portail. Ensuite, tu tapes ton meilleur sprint, histoire de te rapprocher de l'adversaire. Tu vois, on peut finir par là, par exemple, c'est pas mal derrière un bloc ou quoi. Si t'as pas de Prismaru, ça peut être bien d'être caché derrière un bloc. Et ensuite, on va essayer de choper notre adversaire. Tu vois, on a bien une redirection directement là, mais je pense qu'on va la prendre autrement. On va mettre un portail là. Parfait. Là, on peut mettre des sinécures, par exemple. On va mettre double sinécure, point fulgurant. On recule de deux cases et on peut mettre deux sermons. Si on fait des crits, ça peut faire très bon. Ouais, même sans crit, ça arrache le mec. Hein. 1680, 1670, voilà. Le principe du build avec les paires de la coiffe Ganymède qui vous permettront de faire sûrement un sort de plus grâce à la coiffe Ganymède qui fera la différence, quoi.
Ça tape super fort. Hein. Là, on fait full crit pour la Plumburado ici. Voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On va trouver d'autres combats, essayer d'arracher des gens au tour 2 ou au tour 3. En tout cas, un mode très violent. Comme je le disais, vérifiez vos variantes et vos stuff. Si vous voulez jouer plus sérieux, il faudra mettre plus de variantes de protection, de soins, tout ça. Et si vous voulez jouer full dégâts comme je fais là, bah, vous pouvez mettre typiquement conjuration, tout ça. C'est parti contre un Saïda, ça va être très très chaud Saïda, le match-up est pas très bon. Mais bon, avec notre mode full dégâts, il y a peut-être moyen de réussir à surprendre quand même. Je sais pas si je me mets là ou là. On va essayer d'aller ici peut-être. Ok, on n'a pas l'initiative moyenne, il a pas des restes de fou, donc ça c'est cool. Et après, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que Ronce Apaisante, ça met plus les temps enracinés, donc on va pouvoir le dopou. Et juste quand il fera Harmonie qu'on pourra rien faire, donc s'il est malin, il fait Harmonie tour 2 et par exemple notre tour 2 il passe à la poubelle. Hein. C'est pour ça que cette façon de jouer, je la montre pour la vidéo parce que c'est marrant et tout, mais dans la plupart des situations... En vrai, jouer coiffe Ganymède, c'est pas du troll, mais jouer avec toutes les variantes de dégâts, c'est pas terrible quoi. Vaut mieux jouer avec les sorts de soins pour tenir sur la durée. Mais nous, on veut des games explosives là. Ok, bon, 3 invocations, tu connais Sadida, ça va prendre 3 ans. A chaque fois, je cut au montage quand il y a les invoques qui jouent parce que c'est horrible. 75 de tac, mais il peut pas nous tacler avec, donc c'est cool. La folle qui va taper un petit peu. La surpuissante qui va lui donner les PM. On va se donner les PM à notre tour. On va mettre un portail là. Non, ah, si, ça, ça m'arrange, tiens. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La ceinture de dodge qui m'a décalé, c'est très très cool. Ça nous fait gagner un PM. C'est parti. Coalition. Focus. Cabale. Maladresse d'armes. Et on avance. Bon, peut-être pas tout droit, mais il faut qu'on avance, quoi. Il faut pas qu'on se fasse peut-être par les invokes, ça, parce que là, le placement est peut-être un peu trop... En fait, ce placement-là est bien, mais il est un peu obvious, quoi. Allez, faut prendre des risques. C'est pas grave. C'est un Saïda. Il a encore, t'sais, il a encore plein de PM pour nous trouver, en plus. Bon, il y a de fortes chances qu'il nous trouve. Hein. Il va faire un tremblement, et là, ça nous spot. Ah non, c'est que autour de l'arbre, ça va. Je pensais que c'était autour de l'arbre, mais aussi autour de lui, donc tant mieux. Ça nous spot pas pour l'instant. Après, je rappelle qu'il a juste à Harmonie, et il est safe. Hein. Genre là, il va sûrement le faire. Voilà, et là, je peux rien faire tour 2. C'est pas grave, on pourra essayer de faire un tour 4. Puis même, on va commencer à mettre des sinécures et tout, etc. etc. D'ailleurs, sinécure, on peut le faire 3 fois par tour, là. On peut en faire que 2 par tour. Et phare, ok, je pourrais vers une flamiche. Parce que là, je peux pas d'opou, on rappelle, hein. Il est dans l'état enraciné. Est-ce que ça vaut le coup de tuer peut-être des invoques, sinon? Je pense, dans tous les cas, on lui met 2 sinécures en brut, comme ça, c'est fait. Sinon, ce que je peux faire, c'est de me rebooster en PA, PM, etc. pour la suite. Et tu vois, avec un simple sort à 2 PA, il counter tout notre tour 2, quand même, hein. Et c'est toujours aussi long d'affronter Sadi, c'est très mal designé, notamment la fourbe qui est horrible. Allez, sinécure, on avait 18 PA là, hein, c'est une dinguerie. Sinécure x2, on va quand même essayer de se débarrasser de cette surpuissante. On va faire... ouais, on va essayer de s'en débarrasser comme ça. Si, en vrai j'ai mis un portail, mais je pense qu'on va même pas la tuer grâce au portail, on va y aller en mode... Attends, on a tellement de PA. On va y aller en mode comme ça. Voilà, c'est fait, on va mettre le totem. Le totem, on va peut-être le planquer un peu ici. Nickel, et on va se rebooster, coalition, focus, etc. Même si c'est pas travers un portail, c'est pas grave. Nickel. Bon, c'est un peu compliqué, forcément l'harmonie qui nous counter beaucoup. Au moins, on a pu mettre le sneaker. Il faudra jouer sur le tour 4. Ouais, le tour 4 qui pourra peut-être payer, parce qu'on aura de nouveau les PA. En vrai, j'aurais pas dû remettre ce portail-là, j'aurais dû me rebooster à travers un portail, mais je me suis dit... J'allais mettre le serment à travers. Puis ouais, forcément, on n'a pas d'esquive PM avec ce mode. Donc on va être en 0 PM tout le long. Contre Saïda, c'est pas pratique de jouer avec peu de PM. On a quand même 4 PM, c'est pas mal. On va pas trop se prendre la tête. Je pense qu'on va reprendre ce portail là. Et on va aller taper tranquillement. Après, je sais pas si je pourrais faire tout ce que je souhaite. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça, c'est ok. On va faire un point fulgu. On recule. Un serment, un point fulgu. Il pourra sûrement taper dans le portail, mais là on n'est pas assez prêt. Il faut jouer offensif, donc c'est pas grave. Là tu vois, il peut taper dans le portail directement, c'est pas grave. Il faut tenter de le tuer, bah prochain tour. En plus, il utilise même pas son portail pour l'instant, donc c'est tant pis. Oh, je sais pas pourquoi il a pas tapé à travers quand même, parce que c'était tellement free, à part s'il joue un bouclier mêlé, mais ça m'étonnerait. Il veut essayer de se soigner avec mon mangrove, ça s'appelle, c'est ça? Bah ça va, hein, 500 de soins, je m'attendais à plus, c'est pas si insane que ça. Bon, c'est pas terminé, il y a encore la gonflable qui va soigner. Et il a 0 de tacle. On va être un peu enfermé, ça c'est le problème. Encore 500 de soins, et encore aussi 800 de soins avec la gonflable. Non, ça va, il va petiser le soin x2 avec sa gonflable. Bon, je pense pas qu'on le tue quand même, mais...
J'arrive pas à voir c'est le numéro combien ce portail. C'est le 2, hein, je crois. Je crois que c'est le portail 2. Donc on peut essayer d'utiliser ça. Histoire de full taper et tenter le kill avec 13 PA, mais j'y crois pas des masses. Après, il nous tue pas non plus derrière, je pense. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que certes, on le tue pas, mais lui non plus. C'est parti. On va faire point fulgu, mais on va peut-être attendre. Il est quand son ivoire? Ivoire dans 3. Bon, si, on peut commencer point fulgu maintenant, du coup. Tu sais qu'il est quasiment mort, mais il va manquer un petit peu quand même. Allez, un crit à moins 1000. Un crit à 1100. En vrai, c'est pas mal, hein, parce que là, certes, il s'est bien soigné et tout, mais il nous a pas trop tapé. Et lui, il est quand même dans le mal. Il pourra pas se soigner. Bon, il pourra se soigner en boucle, si, mais il y a un moment, ça va finir par craquer, je pense. Il va refaire mangrove. Il a encore sa gonflable est taclée. Peut-être ça gênera un peu. Ok, fléau, moins 2 PM. La ronce apaisante qui soigne de nouveau. La gonflable qui va pouvoir soigner encore une fois. Et la bloqueuse qui va venir nous gêner. Encore du soin pour Saïda. C'est cool, la classe n'a pas 600 sorts de soins. En tout cas, ça fait plaisir. On va être taclé. Pour l'instant, il a 1400 HP, mais la gonflable va encore le soigner beaucoup. Hein. Il va être à 2000 HP, je crois. On peut pas tuer. Hein. Ah, quoique, s'il détaque comme ça, ça change peut-être des choses. Ouais, mais il a 2200 points de vie. J'aurais que 11 PA. Il faudrait tenir le tour. Le tour 6, peut-être. Ah, ça m'a détaclé, mais je suis pas sûr que ça m'arrange en vrai le détacle. Non, ça m'arrange même pas. On va quand même pouvoir taper comme ça. À part si on le tue là avec 10 PA, mais je pense pas. Même avec 2 crits, je pense. Ah, en vrai, si je fais vraiment des très très bons jets. Ok, alors peut-être. Ah, je crois que ça passe, hein. Ouais, c'est bon, ça passe. On a eu de la chance, on a fait des crits, ça a donné des dopous pour la plume. Et écoute, ça passe contre un Sadi. Quel plaisir de gagner contre Saïda. Bien joué à lui quand même, hein. Mais comme quoi, là, c'est quand même bien efficace. En plus, on a même pas super bien joué la game, mais ça reste très très efficace. Et c'est pas l'héliotrope le plus dur à jouer aussi si vous voulez débuter. Héliotrope dopou, c'est pas le plus dur. Et on est parti contre un Roublard. Je suppose qu'il joue feu. Il est peut-être même en cadre en feu avec ses réfixes, mais je suis pas sûr parce qu'il a que 5. On verra bien. En tout cas, on va continuer notre strat sans problème. Ça va être un peu une game bourrin, de toute façon. Soit c'est moi qui le tue genre tour 3-4, soit c'est lui qui m'arrache avec une explosion. Rémission. Ok, il va bien loin. Est-ce que la ceinture de dodge nous aide? Pas vraiment, hein. J'aime pas trop ce placement-là même. Bon, on va quand même faire ça. Allez, coalition focus, je commence à connaître. Bon, ouais, sur cette map, l'avantage, c'est qu'on peut aller au centre. On est quasiment sûr d'avoir un bon tour 2 après. Ça, ça peut être une bonne chose. Hop, on avance au pile au milieu de la map. Parce que là, je vais pas le tuer. Hein. Même si je le chope, je le tuerai pas. En plus, il peut roublardise. Roublardise, ça serait très chiant pour nous. Je sais pas c'est quoi la variante, je me rappelle plus. Parce qu'il a peut-être pas le sort. Pour l'instant, il a claqué son entourloupe dès maintenant. C'est assez bizarre. Je crois qu'il veut bloquer les portails, mais je t'avoue, j'en ai rien à faire. Vraiment, je m'en fous complet. C'est vraiment très étrange comme tour. Mais tant mieux, hein, parce que j'en ai vraiment, ça me dérange très très peu. Donc là, il a bloqué un portail, mais c'est pas grave, je peux en remettre un par là. Bon, c'est un peu relou quand même, je comprends le principe, hein, mais... En plus, je peux même décaler son truc aussi, d'ailleurs, mais je sais pas si j'ai les variantes pour. On va faire ça. On va faire ça. Et on va pouvoir tabasser avec 15 PA. C'est Noël, là, en vrai. 15 PA, je sais pas ce quoi le plus option. On va pas réfléchir 40 ans, on va faire comme d'habitude. Sermon. Sermon, point fulgu. Sur, ça tombe sur l'ivoire. Parfait. 1600 points de vie restant. Il a quand même un de coco, là, heureusement qu'il lui donne un coup de main. Parce que sinon, il aurait été à 1200. Et là, maintenant, c'est compliqué. Parce que là, prochain tour, on a plus de PA. Enfin, on aura genre 11 ou 12 PA, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Mais le roublard peut vite nous tuer. Bon, là, je pense que c'est quand même trop tôt. En plus, il a pas d'entourloupe, donc on n'est pas vraiment en danger. Mais je pense que c'est plus le tour 4 où on sera dans la merde. Là, en vrai, il peut tenter, hein, mais je pense que c'est trop tôt. Un tour de plus. Donc peut-être faut qu'on joue safe un tour et après on essaye de le tuer, on verra. Ça dépend aussi de si j'ai des free redirections. Là, par exemple, j'ai une bonne redirection pour le taper direct, donc on va pouvoir au moins mettre sinécure. Voilà, on peut au moins sinécure, peut-être relancer coalition pour se préparer pour la suite. Il faudrait essayer de le tuer au prochain tour, quoi. Après, il y a pas mal de bombes, hein. S'il prend ce portail, ça va là. Ok, on va fermer ici. Je vais bien me cicatrisation pour avoir un minimum de soins. On va se cabale aussi pour se barrer un peu. Il peut prendre ce portail. On va aller là. J'avoue que je pense que je joue pas assez safe. Mais je me dis ça va parce qu'il a pas l'entourloupe en fait. Donc même s'il prend le portail et tout, je pense qu'il peut rien faire sans entourloupe. Sa bombe là est trop loin. Les deux là sont pas assez élevés pour vraiment faire un kill. Je peux peut-être sous-côté, mais ça m'étonnerait qu'il y arrive.
Et là, on est bien setup puisqu'on aura l'épée de la Ganymède et il est déjà sous malus repu. C'est pas mal hein, ce qu'il fait, mais je pense que c'est pas suffisant du tout. On va voir, peut-être c'est moi qui sous-cote. Avec Entourloupe, clairement j'aurais trust. Mais il a pas. Je crois que c'est prochain qu'il a le CD. Le plombage. La grenaille. Et là, faut le tuer maintenant. La petite ceinture qui aide bien. Faut le tuer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Est-ce qu'on joue simple ou est-ce qu'on se prend la tête? On va jouer simple, je crois. Hein. J'espère que la redirection sera bonne. Normalement, ça doit passer largement. Voilà, pas de problème. Et on peut le tuer avec plein de PA. Sermon x2. On pouvait même faire double point fulgu. Ça le tue largement. Bien joué à lui. Contre Roublard, j'ai l'impression que c'était quand même le bon bail. En plus, je sais pas, il devait pas Roublardise. Je sais plus ce que c'est la variante. C'est peut-être bombe ambulante, un truc comme ça. En tout cas, il avait pas l'air d'avoir le sort. Parce que Roublardise, c'était l'un des sorts qui pouvait vraiment nous counter. Mais il devait pas jouer avec. Roublardise qui peut clairement nous faire perdre un tour entier de dégâts hein, si on galère à le trouver. En tout cas, voilà pour cette vidéo en héliotrope d'Oppu Ganymède. Très bourrin. Honnêtement, c'est fort. De toute façon, vous connaissiez déjà héliotrope d'Oppu. Hein. Très fort, très efficace. Je dirais que c'est le plus simple à jouer sur héliotrope si vous débutez. Puisque t'as pas besoin d'optimiser vraiment tes redirections et tout. Tant que tu tapes dans un portail, ton sort il pousse deux cases de plus, ce qui fait que c'est viable, tu vois ce que je veux dire. Mais justement, pour débuter, ça peut être une bonne chose. C'était ça, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci pour le soutien. Ceux qui sont encore là, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent plus à Dofus mais qui regardent encore les vidéos, ça fait plaisir, on pense à vous aussi. Passez une bonne soirée.